Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olena Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du mardi 8 février 2022 avec, et comme toujours, et pour commencer, monsieur le jeu 32. Bon, allez-vous, c'est parti. Mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi, super bien, hein. Je profite. Je recharge mes batteries. Bon, je suis contente parce que vous m'entendez bien et vous voyez bien. Bon, désolée madame Véronique, hein, mon tapis n'est pas... Ouais, c'est pas monsieur le tapis vert. Donc voilà, désolée. Hein. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le roi de carreau pour commencer qui vient de se retourner. Donc le roi de carreau, peut-être des nouvelles de l'étranger, peut-être des nouvelles qui viennent de loin, en tous les cas, d'une autre région, peut-être une envie de partir, de déménager dans une autre région ou dans un autre pays, pourquoi pas. Alors peut-être que pour certains, ça parle et pour d'autres, peut-être pas. Bon, tout en sachant que c'est du général et non du personnalisé. Bon, ce roi de carreau a voulu parler. Donc, ça parlera peut-être pour certains et certaines. Allez-vous, c'est parti. Donc, pour ce tirage du jour du mardi 8 février 2022, chiffre 8. Le chiffre 8 a plusieurs fonctions, on va dire, dans la numérologie. Donc, c'est soit ça peut nous parler dans le domaine médical, soit dans le domaine de la justice, ou les deux, pourquoi pas. Ça nous parle aussi de petits bobos ou de gros bobos. Ça nous parle aussi d'une belle rencontre amoureuse. Et ça nous parle aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines, et je vous le souhaite, d'une belle rentrée d'argent. Alors, peut-être une rentrée d'argent que vous attendez, justement, vous attendez cette somme, mais en tous les cas, elle pourrait tomber pour ce mardi 8 février 2022. Alors, si ce n'est pas pour ce mardi, vous décalez soit le mercredi, soit le jeudi, soit 3 jours avant, 3 jours après. Peut-être que vous en avez peut-être déjà entendu parler 3 jours avant, ou c'est peut-être tombé 3 jours avant, mais ça peut tomber 3 jours après. Voilà. Donc, pour ce mardi 8 février 2022, chiffre 8, comme je le dis à chaque fois, petit bobo. Alors, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, faites attention, ça peut être... Enfin, c'est pas méchant, vous vous levez le matin, vous vous cognez, vous avez un petit bleu ou un petit hématome, c'est pas méchant, d'accord? Donc là, vous pouvez, ça va se résorber tout seul. Par contre, gros bobo, le chiffre 8... Ben vous vous levez le matin et puis ben là, boum, balaboum, vous glissez. Alors, soit si c'est chez vous, soit si c'est dehors, hein, je vous en parle toujours à mes fins de vidéo parce que le temps en est pour quelque chose. Vous pouvez tomber, glisser sur une plaque de verglas et la chute peut être fatale. Hein, donc, vous pouvez vous casser la jambe, le bras, etc. Même de chez vous, soyez vigilant, vigilante. Voyez la différence du 8, c'est soit petit bobo, grand bobo dans le domaine. Alors, ça peut être dans le domaine médical. Dans la justice, c'est pareil. Petit souci, mais ce n'est pas méchant. De justice ou gros souci de justice. Alors, dans le domaine de la justice, petit souci, je donne toujours le même exemple, hein, mais pour que vous puissiez comprendre la différence, que vous fassiez vraiment la part des choses. Donc, petit problème de justice, enfin, c'est pas méchant, vous partez le matin, si vous conduisez, bien sûr, vous prenez la voiture et hop, vous avez en face de vous les gendarmes qui vous demandent de vous arrêter, juste un contrôle de papier, vous les avez, hop, c'est bon, vous repartez. Donc, voyez, c'est pas méchant. Par contre, si c'est un problème de justice plus intense, plus conséquent, on va dire, dans le côté négatif, vous arrêtez, on vous demande de vous arrêter parce que vous avez été un excès de vitesse, vous avez fait un excès de vitesse, vous avez brûlé un feu rouge ou un stop, voilà. Là, c'est le côté négatif, là, c'est sûr que ça sera pas du tout, ils vont pas vous laisser repartir comme ça, bien évidemment. Donc, ça peut être une amende, des points en moins, etc., etc. Dans le domaine de la justice, pareil, hein, côté négatif... Vous pouvez pour certains apprendre une mauvaise nouvelle et pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle. Alors, ça peut éventuellement, dans la continuité, comme je disais, une somme d'argent, vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles concernant le domaine de la justice et quelque chose de bénéfique dans le domaine de l'argent financier, hop, que l'on vous doit et hop, ça peut tomber. Concernant la planète associée à ce mardi, c'est la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action, la combativité. Donc, peut-être que vous vous êtes battu par rapport à un problème de santé, peut-être que vous vous êtes battu par rapport à un problème de justice, vous pouvez avoir gain de cause, on voit que vous êtes dans l'action et vous allez devoir vous battre et vous allez vous battre. Ou que vous vous êtes battu, il peut y avoir des bonnes nouvelles, hein. Attention, hein. Le côté 8, c'est soit négatif ou positif, attention, hein. D'accord. Allez, on y go, monsieur le jeu de 32, c'est parti, mon kiki. Hop, hop. On nous parle de l'as de pique et la dame de pique. La dame de pique représente votre maman, une grand-mère. Si vous n'avez plus votre maman, une grand-mère ou une personne défunte, sachez que si elle est là où elle vous protège de tout ce qui est papier administration, tout ce qui est en rapport avec les signatures, cette dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, vous, messieurs, à partir d'un certain âge, que vous ayez plus de la cinquantaine, bien évidemment, et que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Donc là, peut-être que cette dame de pique vous représente, vous mesdames, vous messieurs, et ça nous parle de signature. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une signature, soit de contrat, soit d'une signature pour l'achat,
ou la vente de quelque chose. D'accord ? Allez, ou alors des papiers administratifs que vous allez devoir faire et on a besoin de votre signature. Allez, on y go, c'est parti. Le tirage du destin. On y go. Allez, zou, zou et zou. On nous parle de quelque chose d'inattendu avec ce 8 de cœur. On peut nous parler d'une invitation. On va regarder derrière ce que va nous dire ce 8 de cœur. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, vous voyez, je profite, ça fait trop bien. Alors, je ne skie pas parce que moi, je suis une grosse mule. Je préfère marcher dans la neige avec Monsieur Lucas et mon mari. Voilà, c'est mieux. Enfin, mon mari fait du ski, mais moi, je profite avec Lucas. Parce que comme je vous ai dit, hein, vous le savez, Lucas est autiste, alors c'est pas évident pour lui de se contrôler, de se retrouver face avec plein de monde. Et les autistes, ils aiment bien être dans leur bulle, dans leur monde. Et c'est vrai que pour Lucas, ça a été un petit peu difficile d'être dans les œufs, de monter là, en haut. Après, le cadre est magnifique, hein. Mais moi je veux qu'il sorte, je veux qu'il profite. Je veux qu'il profite de cette nature qu'on nous offre, bien évidemment. Bon, j'arrête mes bêtises parce que je suis en train, parce qu'avec le nouveau tapis, enfin, c'est provisoire, hein. Là, ça bancale un petit peu. Je suis désolée. Allez, Zou, c'est parti. Oh, 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 Berk. Bon, invitation de gens pas bons autour de vous. Soit une personne, le valet de pique est représentatif d'une personne, soit masculine ou féminine, ou de plusieurs personnes. Donc le valet de pique, c'est des gens ou une personne qui sont dans la manipulation, qui sont en train de toujours savoir, de savoir des choses par rapport à vous. On nous parle d'invitation, donc peut-être une invitation, quelque chose, vous pouvez apprendre quelque chose d'inattendu concernant ces gens pas bons. On nous parle que... Si on est dans la continuité, hein, ça peut être une jeune femme brune autour de vous qui n'est pas bonne. Mais ça peut nous parler de faites attention dans tout ce qu'est administration. On essaye de vous duper, on essaye de vous avoir, d'accord ? On essaye de venir aux infos, d'accord ? Si je ne mets pas dans la continuité le 8 de trèfle, on nous parle de papiers administratifs en tous les cas qui vont arriver très très vite. Des papiers administratifs, pardon, qui vous aussi, qui vous stressez, qui vous contrariez, d'accord ? Il va y avoir un face-à-face qui va vous contrarier, hein. Concernant une personne, une fille, une meilleure amie ou une sœur qui vient de loin ou qui habite loin. Ou alors vous allez avoir un enfant qui va prendre son envol ou qui a décidé de vivre à l'étranger ou de changer ou de région et ça va vous perturber. Bon, allez-y, on nous parle de déménagement en tous les cas. Il y a du déménagement dans l'air. On avait ce roi de carreau tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, il est là maintenant. Mais là, on a vraiment ce 10 de carreau qui est en dominant. Donc, dominant, ça veut dire que c'est vraiment la mise de départ de cette carte qui va nous dire, qui va nous faire... aller dans la continuité du jeu. Donc là, le 10 de carreau représente le changement, les changements, le déménagement pour certains et certaines, les changements, hein, les grands changements, et pourquoi pas un grand voyage aussi qui se prépare. On nous parle de nouveau départ, hein. Là, avec ces deux cartes réunies, c'est topissime. Il y a vraiment quelque chose de positif. Donc ça, c'est bon. Nouveau départ, on nous parle de changement positif, nouveau départ, nouvelle rencontre. Pourquoi pas une réconciliation? Pourquoi pas une grossesse pour certains et certaines? On nous parle de colère, peut-être que vous êtes dans l'attente de ce changement, de ce nouveau départ. Vous pouvez, alors on voit bien que c'est vous, hein, ma consultante, mon consultant qui est en colère. C'est vous qui êtes en colère, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement si c'est dans le domaine sentimental de votre partenaire masculin ou féminin. Là, on a de la contrariété, il y a surtout de la colère. Peut-être que vous pouvez apprendre aussi une grossesse autour de vous qui ne vous plaît pas, hein. Voilà, hein. Ou alors vous êtes dans l'attente de ce déménagement, de ce changement qui va arriver, hein, quoi qu'il arrive. On nous parle d'un homme de cœur, donc en plus il est à côté du 7 de cœur. Donc ce roi de cœur, à la base, est représentatif de votre papa, ainsi comme la dame de pique qu'on a vue tout à l'heure à la coupe. Donc le roi de cœur, c'est votre papa, un grand-père, en tous les cas une personne plus âgée que vous aussi. Mais c'est une personne qui est protectrice, qui est protecteur avec vous, que ce soit masculin, bon là c'est masculin, mais là il y a vraiment ce côté protection. Alors si vous n'avez plus votre papa ou un grand-père, sachez, ou une personne défunte masculine de votre entourage, enfin surtout familial, on vous dit qu'elle vous protège de là-haut, d'accord, de tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouveau départ vous concernant. Mais ce roi de cœur est bien sûr votre chère et tendre, votre future chère et tendre, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore, que ce soit masculin ou féminin. Peut-être une rencontre dans le domaine professionnel. Peut-être une rencontre avec un patron, une patronne. En tous les cas,
cet homme peut être aussi à son compte, d'accord? Donc patron, patronne. Peut-être que si ce n'est pas votre patron, patronne, peut-être que cet homme que vous avez rencontré est propriétaire et patron ou patronne de sa boîte, hein, de son entreprise. On retrouve cette dame de pique qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, elle est à côté de la dame de trèfle. Donc cette dame de pique, pardon, pourrait être une confirmation que ce soit vous. Peut-être que justement, si ce n'est pas vous, peut-être représentatif de votre maman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de votre grand-mère, ou d'une personne défunte en tous les cas. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre maman, hein, qui va peut-être vous apprendre qu'elle a trouvé un travail, si elle est toujours... si vous avez une maman, bien sûr, qui est à la recherche d'un travail. Donc, si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège. Sinon, cette dame de pique, comme je vous le disais, peut vous représenter, vous, mesdames, vous, messieurs. Donc, peut-être une belle rencontre dans un domaine professionnel. Ou alors, des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel pour vous. On nous parle de nouvelles, hein, des bonnes nouvelles concernant soit des nouvelles de votre maman, d'une grand-mère, ou des nouvelles pour vous, des nouvelles pourquoi, si c'est pour vous. On nous parle de nouvelles de signature. On retrouve cette coupe, hein. Donc là, c'est une confirmation. Il y a une signature. Les signatures sont favorisées. Hein. Et on nous parle de signature. Et dans le résultat, nous dira que vous allez toucher une somme d'argent. Je vous ai dit avec le chiffre 8. Oh, vous avez un magnifique tirage. Pour l'instant, j'ai un magnifique tirage. J'ai juste de la colère. Mais ce n'est que passager. On va la recouvrir tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Grâce à cet argent qui va vous arriver, vous allez pouvoir vraiment profiter de vos projets que vous avez en tête. Et regardez, bingo, nous avons le roi trèfle, nous avons le couple. Hein, quand vous avez ça et ça, c'est magnifique. Domaine sentimental, vous êtes protégé. Donc, on voit bien que c'est mon consultant, ma consultante ou éventuellement vous inversez votre partenaire. Et on nous parle de blocage. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée? Pourquoi pas? Est-ce que vous attendez une somme d'argent? Puisque vous voyez, ce 9 de pique est à côté de ce 10 de trèfle. Donc, peut-être qu'il y a une signature que vous attendez pour que vous puissiez acheter ou vivre ou, je ne sais pas, acheter une maison ou vendre un appartement ou enfin une maison, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit bien que là, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui est bloquée. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère, hein, tout simplement. Hein. Bon, on va faire les associations de cartes. Vous pouvez aussi, avant de faire les associations de cartes, vous avez vu As de pique et un 9 de pique, quand vous avez ces deux cartes-là dans un tirage, ou l'une à côté de l'autre, ou peu importe, mais quand vous l'avez dans un tirage, sachez que ça annonce que vous pouvez apprendre une rupture autour de vous, vous pouvez apprendre qu'une amie, une sœur, un frère, etc., vont divorcer, vous pouvez apprendre une rupture, vous pouvez apprendre un divorce, ça peut être votre divorce à vous si vous voulez vous séparer. D'accord? Mais l'As de pique, le 9 de pique, malheureusement, c'est l'annonciateur de décès. D'accord? Soit de votre entourage et pas l'As de cœur vous disant que c'est familial. Mais là, on nous parle d'un décès. Vous pouvez apprendre malheureusement un décès. J'en suis désolée, je le dis, mais je vous dirai toujours la vérité. Vous connaissez la mère au lait maintenant. Bon, on va faire les associations de cartes. Alors, j'ai qu'un As, ok. J'ai que deux rois, ok. J'ai que deux dames, ok. J'ai qu'un valet, ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait 3-10, c'est magnifique. 3-10, c'est vraiment joie sur un projet et c'est la réussite. 4-10, 3-10, c'est la satisfaction. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En 9, j'ai quoi? J'en ai que 2. En 8, j'en ai aucun. Et j'ai que 2-7. OK. Bon, je vais recouvrir le 7 de carreau et le 9 de pique. C'est tout. Le reste, c'est un magnifique jeu. Hein. On nous parle de blocage avec certitude. Hein. Mais sur la colère, vous voyez, il y a la réussite. Donc, nos stress. OK? Donc, c'est magnifique. Allez, Monsieur l'Oracle des Miroirs. Pour le sentimental. Donc, oui, hier, j'étais un petit peu perturbée parce que je ne savais pas si vous allez bien entendre. On nous parle de santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Oui, un petit souci de santé. Donc, oui, j'avais peur hier que vous n'entendez pas bien. Je me dis, est-ce que je me mets plus près, plus loin, je ne sais pas. Puis apparemment, alors c'est vrai, on a l'impression qu'il y a un écho, mais oui, il y a un écho. Mais si vous entendez bien, c'est parfait. Donc demain, je continue les signes astrologiques, hein, d'accord? Je finis les signes astrologiques. Mais la montagne, c'est génial. Hein. Oh, ça me fait un bien fou. C'est trop top. Allez-y. Tirage du jour du mardi 8 février 2022. Et voyez, je pense à vous, je vous l'ai dit, je suis là. Allez, Monsieur l'Oracle des Miroirs pour le sentimental. On y go. Oh, il y a une histoire de loi qui vous perturbe là. Vous êtes inquiet ou inquiète? Vous vous... Ah,
Alors, est-ce que... Ouais, d'accord, j'ai compris. Là, c'est comme si vous allez vous engager avec l'homme ou la femme que vous aimez, vous allez rencontrer. Ça vous rend instable parce que peut-être que cet homme ou cette femme va vouloir s'engager avec vous. Vous voyez, parce que là, j'ai que le sentimental. On se projette, mais on a peur. Et on en discute. Hein. Vous voyez, on se téléphone, on se communique. Mais sur du retard, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et la loi, c'est quoi? Ouais, vous avez peur que ça soit un échec. Quand vous allez vouloir vous engager avec cet homme ou cette femme qui va vous le proposer, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur que ça ne marche pas. Bon, après, c'est compréhensible. Hein. Compréhensible, pardon. Allez, sentimental, tirage en croix. Ouais, vous les voyez bien. Allez, d'autres decks. On va regarder. Coup de chance. Magnifique. On a un coup de chance, hein, sentimentalement. Mais bien évidemment, la jalousie est toujours là. On a un choix. Hein. Ça va vous perturber. Hein. Un choix de vous séparer. Hein. Mais on vous dit nos stress. Tranquillité. Vous avez la victoire. Ah. On va recouvrir la séparation. Mais... et encore, je ne devrais même pas. Vous avez ce coup de chance. Il y a quelque chose qui revient en pleine figure sur vous par rapport à l'homme concernant un enfant. Mais il y a une belle ouverture. Alors là, est-ce qu'il y a un petit souci? J'ai quelque chose comme si vous avez peur. Bon, il y a un coup de chance hein, de rencontrer un homme ou une femme ou que vous venez de la rencontrer. On vous dit que c'est un coup de chance. Mais on vous dit également que là, peut-être que vous allez vivre ou revivre une même situation. Vous allez avoir peur de l'échec comme on l'a vu. Et vous avez peur de revivre quelque chose pareil du passé. Mais on vous dit que non, c'est bon. Bon, en tous les cas, on nous parle de jalousie. Hein. Mes amis célibataires, vous allez faire une belle rencontre, mais il y aura de la jalousie dans l'air. Mais ça, il y en a partout. Vous connaissez la mère Olé, elle vous le dit à chaque fois. On nous parle de choix. Alors, de choix, sur quoi de vous séparer? Alors, mes amis célibataires, vous allez faire une rencontre. Certes, vous allez ressentir tout de suite qu'il y a de la jalousie. Alors, est-ce que aussi cet homme ou cette femme que vous avez rencontré sera jalouse, peut-être jalouse possessive? Et ça va peut-être vous faire peur. Il y aura un choix de vous séparer. Mais no stress. On nous parle de tranquillité et on vous dit que vous avez la victoire. Donc là, c'est juste un choix par rapport à cette jalousie, tout simplement. Vous avez ce choix, hein, si je suis dans la continuité, de quitter cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, mes amis célibataires, ou alors, parce que... Alors, pourquoi le quitter ou la quitter? Parce que vous avez ce choix, parce que peut-être qu'elle est jalouse possessive, ou jalouse tout simplement, mais ça peut peser, hein, c'est pas évident. Mais on vous dit que c'est un coup de chance hein, d'avoir rencontré. Donc la sexualité, tout ça, il y a l'amour, et voilà. Et vous avez peut-être vécu ça, et vous avez peur. Alors peut-être que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme qui est simplement jalouse. Dans le passé, vous avez peut-être rencontré une personne qui était jalouse, possessive, et vous voulez pas que ça recommence, d'accord? Donc vous avez ce choix de vous séparer, de prendre la poudre d'escampette pendant qu'il est temps. Mais on vous dit qu'il y aura la tranquillité avec cet homme. C'est nos stress et on parle de victoire. Ou alors, si ce n'est pas lui ou vous hein, qui êtes jalouse, ça peut, vous pouvez le mettre à votre sauce, par rapport à vous, votre caractère, vous êtes dans le tempérament jaloux. Mais ça peut être des gens jaloux par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Et vous avez, alors, est-ce que vous allez pouvoir le subir, le confronter? Ce n'est pas évident. Donc, vous avez ce choix de partir et vraiment de quitter la personne. Mais on vous dit que ça serait une belle erreur parce qu'on nous parle de tranquillité et on nous parle de victoire. D'accord? Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on nous parle de jalousie. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes de nature jalouse? Est-ce que c'est lui ou elle qui est de nature jalouse avec qui vous venez de rencontrer? Vous avez ce choix de partir, tout simplement. Mais ça serait dommage puisqu'on a la carte de la tranquillité et on a victoire. D'accord? Ou alors, vous avez peur parce que vous ressentez tout de suite de la jalousie vis-à-vis d'autour de vous ou autour des amis de la personne que vous venez de rencontrer, ou des amis ou de la famille, et vous avez ce choix de vous séparer. Mais ça serait bête, parce que vous avez la tranquillité, on nous parle de victoire, et c'est un coup de chance d'être avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de jalousie dans votre couple, mais là, on nous parlerait plutôt autour de vous, puisque du coup, tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie? Il y a toujours eu des gens qui ont été jaloux? Est-ce que c'est de la famille, etc.? On nous parle de choix. Choix peut-être justement de vous séparer. Peut-être que là, il y a vraiment ce problématique là. Ou alors, vous, les couples, hein, vous êtes, vous, mesdames, vous, messieurs, qui êtes avec leur mari ou leur femme, vous êtes d'un brin jalouse.
et ça vous fait peur, justement, vous avez ce choix. Et on vous dit, est-ce que vous avez peut-être pensé à la séparation, ou alors c'est votre mari ou votre femme qui est un peu trop jalouse et il y a eu un moment, malgré que le couple va bien, hein, puisqu'on nous parle de tranquillité juste après, on nous parle de victoire. Donc là, c'est juste un choix dans votre tête. Peut-être que vous y avez pensé et ça sera vite balayé. D'accord ? Vos pensées négatives seront vite balayées. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que vous, vous voulez partir, divorcer, parce qu'il y a trop de jalousie peut-être dans le couple, ou alors vous sentez qu'il y a trop de jalousie, c'est hypocrite, et vous avez ce choix de vous séparer, c'est vous qui prendrez la décision, et la décision sera bonne, puisque après vous serez tranquille, vous avez la victoire. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, est-ce que vous, vous êtes jalouse parce qu'il est toujours avec sa femme ou son mari ? Ça peut être ça. Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes qui est jalouse par rapport à vous ? Donc, vous avez ce choix encore de le quitter, de séparation. Mais pourquoi pas revenir sur votre décision ? Parce que vous serez tranquille avec cet homme et vous aurez la victoire. Et on vous dit que c'est un coup de chance. Après, c'est vous qui décidez, vous le savez. C'est vous qui êtes libre de votre choix. Mais ça peut être aussi autour de vous des gens jaloux quand ils vont apprendre que vous êtes avec un homme marié ou une femme mariée, ou c'est lui ou elle avec qui vous êtes va le dire à sa famille, et ça peut générer des choses un petit peu difficiles. Donc, pas facile là, hein, d'accord, pour vous. Et on termine pour celles et ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex. On vous dit qu'il y a de la jalousie quand ça va s'apprendre. Il y a ce choix d'aller, on va dire, à la séparation, de dire « bon, bah c'est bon, on a tenté, mais t'as vu, c'est toujours pareil. » Ou alors, vous vous êtes déjà quitté parce qu'il y avait de la jalousie entre vous. On nous parle de tranquillité, on nous parle de victoire. Alors, on vous dit bien qu'il y a de la victoire, on dit bien qu'il y a de la réussite, on vous dit bien qu'il y a de la tranquillité avec cet homme ou cet ex, hein, cette femme qui pourrait revenir, on nous parle de coup de chance. Mais vous avez peur quand même, hein. Il y a la jalousie qui... C'est la jalousie qui vous tracasse. Vous avez peur à la séparation. Je recouvre ces deux cartes-là, hein, ça va être intéressant de savoir. Vous voyez, vous avez ce choix. Ça, c'est vous. Soit c'est vous, mon masculin ou mon féminin. Vous avez ce choix. Donc, là-dessus, voilà. Il y a une séparation parce que vous avez peur à la séparation. Vous avez peur, vous avez déjà vécu ça. Vous avez peur au passé, hein, ça revient, on l'a vu tout à l'heure en d'autres decks. Vous avez peur de revivre. Hein, parce que peut-être que cet homme ou cette femme est jalouse et vous avez peur. Parce que vous avez peut-être déjà vécu ça. Ou alors, vous avez déjà vécu, vous avez rencontré quelqu'un déjà à l'époque, une femme ou un homme, hein, vous mettez à votre sauce, et on a tout fait cette jalousie des gens méchants, ont déjà séparé votre couple, et vous avez peur de revivre ça dans le passé, comme dans le passé. Tout simplement. Mais regardez, avec tous ces deux, vous finissez avec la carte de la tranquillité, la victoire, on avait ce coup de chance. Donc la personne est bonne, hein. C'est les gens qui sont autour, malheureusement. Et oui. Allez, on va voir Monsieur Papus qui va nous dire... pas Monsieur Papus. Moi, je passe direct à Monsieur Papus. Lol. Avec Monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez, Monsieur l'oracle de la Sibylle. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour nos amis? Tirage du jour du mardi 8 février 2022. Regardez, il y a le mariage et on a l'ennemi. On a le 6 de trèfle. Hein. Le 6 de trèfle, on vous dit de ne pas vous concentrer sur les autres. Et surtout, vous allez devoir résoudre les soucis. Et il ne faudra pas trop les retarder. Il ne faudra pas trop retarder les choses. Et là, vous voyez, on vous dit de faire attention parce qu'on va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, on parlait de jalousie, on a des ennemis. Et là, vous avez le mariage. On a un beau 5 de cœur. Hein. Le 5 de cœur, lui, il va nous parler de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. Voyez. Donc là, on vous dit que vous vous mariez. Là, vous voyez, vous avez cet homme-là qui arrive. Alors, vous mettez l'homme, vous mettez la femme. Et là, vous voyez, vous avez un ennemi. Il est prêt à trébucher. C'est comme si on va essayer de vous empêcher de vous marier, de vous réunir, en fait. Donc, ça correspond bien. De toute façon, monsieur l'oracle de la Sibylle va me redire ce que je viens de vous dire, va me confirmer. Hein. Vous voyez, on ressort le mariage. Ouais, c'est magnifique. Hein. On nous parle de voyage. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme voyage beaucoup, fait beaucoup de déplacements, ou cet homme va venir vous voir, en tous les cas, où il y a un petit peu de distance entre vous? On avait ce roi de carreau, rappelez-vous, tout à l'heure, qui était tourné. On avait ce 10 de carreau en dominant. Est-ce que cet homme ou cette femme habite loin?
Est-ce que vous faites des allées-venues pour vous voir ou lui? Pourquoi pas? On a vraiment ce 10 de carreau qui revient là. Vous voyez, il est là. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être des empêchements. Cet homme a peut-être des empêchements ou cette femme. En tous les cas, on nous parle de réussite. On a l'as de trèfle. On retrouve ce mariage. Hein. Donc là, vous avez beaucoup d'argent. Donc vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur votre mariage. Et on vous annonce la fin de tout souci là. Il y a la mort. Ça y est, c'est terminé. On n'en parle plus. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau. Vous voyez, on a ce 9 de pique. On essaye de vous bloquer par rapport à votre mariage, mais pff, nos stress. Je vais peut-être recouvrir la mort. Sur quoi, justement? Juste par curiosité, pendant qu'on y est. La mort par rapport au plaisir, plaisir, divertissement. On a un 2 de carreau. Alors, le 2 de carreau, lui, va nous parler de choix à prendre, de décision. Prendre les choses vraiment en main, d'accord? Donc face aux gens, je pense que vous allez faire du tri par rapport aux gens qui sont vraiment pas bons autour de vous. Monsieur Béline, je mets sur le côté parce que j'ai pas de place là. Et moi je fous tout par terre. J'ai pas de place. Ah ben il faut que je m'organise. Hein. Quand vous n'êtes pas chez vous, il faut s'organiser. Hein, je vous le paye. Allez, tirage au jour du mardi 8 février 2022. Avec Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Oh! Attention, quand vous allez, pour certains, si vous partez en vacances, eh oui, mais même la mère Olé, elle part en vacances, là, mais elle va être prudente aussi. On parle d'accident. Faites attention, là. Parce que là, il y a l'accident. Vous pouvez vous blesser hein, pour cette journée. Je vous ai des chiffres 8, hein, petit bobo, grand bobo. Donc là, faites attention de ne pas tomber, hein, ou même un accident de voiture, etc. Mais là, ça serait plutôt parce que là, on nous parle de repos, on nous parle de santé, on nous parle de campagne. Donc là, ça peut être hôpital, reposez-vous, là, même de chez vous. Il peut y avoir un arrêt de maladie suite à un accident du travail. Hein. D'accord? Faites attention à tout ce que vous touchez, à la cuisine, que ce soit chez vous. Donc là, on a bien la confirmation. Hein. Ouais, faites attention. Allez, trois cartes. Waouh, c'est beau, hein. C'est magnifique. Regardez-moi ça, vous en avez. Eh, vous avez la grâce, enfin la grâce est là, la protection. Et là, vous avez la carte bleue, c'est la carte la plus forte, monsieur Béline. Regardez, vous allez aller au bord de l'eau, ça va bouger pour vous. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez partir les yeux fermés, regardez. Vous avez la grâce, enfin la carte bénéfique bleue, c'est la protection et vous avez la renommée, la gloire. C'est beau, hein. Et vous avez la protection sur quoi? Eh, réussite. Eh, je peux pas mieux faire, hein. Allez, hop, au revoir monsieur Béline. Vous avez la réussite professionnelle, la réussite sentimentale, vous avez la réussite en tout. Très beau, monsieur Béline. Hein. Et très beau d'autres dettes. Vous voyez, quand c'est comme ça, on ne perd pas de temps. Hein. Allez, tirage du jour du mardi 8 février 2022. On va voir avec monsieur le grand été, là. On nous parle du passé. Quelqu'un que peut-être... l'argent arrive, hein. Et peut-être une situation du passé, peut-être que l'on vous doit de l'argent concernant une histoire du passé. Ça arrive, ça vient. Je vous le dis, hein. L'argent arrive. Hein. On avait le 10 de trèfle hein, qui est tout à l'heure, rappelez-vous. Hein. On avait l'as de pique, le 10 de trèfle. Donc c'est plutôt intéressant. On nous parle de la maladie. Ah, il y a une situation de chute hein, concernant la noblesse. Alors la noblesse, c'est tout ce qui est bonne éducation, etc. On nous parle de colère. Concernant de la fortune, vous allez toucher de l'argent, mais il y aura des petites traverses à traverser, là. Hein. Des petites traverses. On nous parle de maladie. On nous parle de dans la journée. Donc, pour cette journée du mardi 8 février 2022. Et on nous parle que vous pouvez apprendre une chute. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui serait tombée? On vous demande de faire attention dans la journée, de ne pas tomber. On avait un accident, la carte de l'accident. Faites attention. Ou alors, on peut nous parler de maladie. Concernant un rendez-vous pour aller voir un médecin, concernant une maladie que vous avez. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui sont vraiment malades. Ça peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec une maladie, cancer, etc. Et vous allez devoir vous déplacer par rapport à cette situation-là, par rapport à ce problème de santé. Pour d'autres, et en fait, vous avez peur à la chute, là. Mais on va je vais recouvrir, hein, vous inquiétez pas. Parce que là, il y a vraiment quelque chose où il y a une crainte. D'accord? Vous avez peur que ça tombe. La chute, c'est ça. Et peut-être que vous avez un problème de santé. Vous allez devoir aller voir le médecin pour cette journée du mardi ou du mercredi ou du jeudi. Hein, voilà.
et vous avez peur que ça se passe mal. D'accord? Pour d'autres, peut-être que vous êtes stressé justement par rapport à une situation, vous allez avoir des nouvelles et ça peut vous amener au plus bas. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, elle va nous dire, ouais, vous avez l'or. Hein. Ça peut être concernant un procès, quoi qu'il arrive, vous gagnez. Hein. Là, c'est renversé, là, c'est droit. Hein. D'accord? Ok? Donc, c'est tout ce qui est, peut-être, il y a une situation, peut-être un déplacement, vous allez devoir vous déplacer, ça vous rend malade. Peut-être pour cette journée du mardi 8, hein, puisque c'est le chiffre 8 concernant, de toute façon, tout ce qui est dans le domaine de la justice. Et vous avez peur à la chute. Hein. Mais on vous dit, avec cette carte, c'est retourné, on a l'or. Hein. Bon, de toute façon, elle s'est retournée, je la laisse là. Non, je la remets parce que si je la ressors, ça serait plutôt intéressant. Allez. Vous allez devoir vous battre. Hein. Vous allez devoir vous éloigner. Ça concerne dans le domaine sentimental. Alors, pour certains, ça peut être dans un divorce, hein, une procédure de divorce. Alors, ça peut être aussi l'amour, c'est une personne que vous aimez. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, un frère, une maman, je ne sais pas. Et là, il y a une situation où vous vous rendez malade, où vous n'êtes pas bien sentimentalement. Et il y a de la colère, là. Vous êtes prêt et on vous demande quand même de vous éloigner. Hein. Allez, je recouvre un petit coup. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie qui vous fait une déclaration. Faites attention, éloignez-vous des traîtres. Et on est bien avec un consultant ou la consultante, donc vous, messieurs, vous, mesdames, ou votre partenaire. Donc là, il y a une situation, c'est comme si que soit vous avez un problème de couple, soit que vous êtes disputé, soit que vous êtes chacun de votre côté. Ça peut être concernant aussi une procédure de couple, hein, de divorce. Hein. Faites attention, vous avez un trait, n'allez pas trop divulguer. Mais ça peut être aussi le retour d'un ex qui vous a rendu malade, le fait qu'il soit parti ou qu'elle soit partie. Et il y a eu vraiment de la colère et vous serez vraiment en colère s'il reviendrait vous faire sa flamme, quoi, hein, déclarer sa flamme. On vous dit faites attention si vous divulguez cette situation-là à une personne, vous avez un traître. Hein. On vous demande de vous éloigner parce qu'on essaye de venir aux infos. Rappelez-vous, valet de pique, 8 de cœur en dodec avec monsieur le jeu de 32. On essayait de venir aux infos. Et là, on dit bien qu'il y a eu vraiment une chute par rapport au domaine sentimental vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Le traître, voyez, on va essayer de vous mettre des obstacles. D'accord? Vous avez un ennemi. Hein. Bon, après, vous me direz un ennemi ou une ennemie qui n'en a pas. Et on vous dit derrière, ça jacasse derrière votre dos. On termine avec qui? Bah, avec Monsieur Papus. En fin de compte, ça a été vite. Hein. Bah, Monsieur Béline a été super cool. Ça a été tellement fluide que je n'avais pas besoin de recouvrir. Allez, Monsieur Papus, on y go, c'est parti, mon kiki, pour ce mardi 8 février 2022. On nous parle de justice, on est en plein dedans. Et on nous parle, voyez, de faux amis. On a les amis, mais on a les deux épées qui sont, voyez, comme si vous êtes prêts à vous battre. On nous parle d'une situation du mois de septembre. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation de justice depuis le mois de septembre 2020 ou 2021? On vous redemande de retrouver votre équilibre. En plus, on a le signe de la justice. Donc, c'est vraiment la balance, hein, vous savez, la justice, de vous remettre, de retrouver votre équilibre. On nous parle d'un signe du cancer, d'une situation aussi des personnes qui sont nées au mois de septembre, qui sont nées au mois de juin. Donc, le signe du cancer, on vous demande de retrouver un certain équilibre. Donc, faites attention, vous avez la justice, donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est retrouver son équilibre, on tranche, ça peut être les contrats. Mais on vous dit de faire attention, on a un 2 d'épée là. Le 2 d'épée, il est à l'endroit, il nous parle de confusion. Vous avez les fesses assis entre deux chaises. Donc, il y a de l'indécision, de la confusion et on refuse de voir les choses. Peut-être que vous vous êtes fait duper et peut-être que vous avez mis quelqu'un que vous connaissez en justice. Vous allez devoir... Il y a peut-être un abus de confiance. Hein. On va voir si ça sort. Waouh, vous avez la victoire, vous avez le jugement. Il y a la fin des peines et c'est magnifique et vous avez l'étoile. Et franchement, pour ce mardi 8 février, j'espère que ça parlera pour tout le monde. Je le souhaite de tout mon cœur. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est les projets, les prières sont exaucées, on réalise ce qu'on veut. D'accord? Ça peut être une grossesse, etc., etc. Et on nous parle d'un roi de bâton. Hein. Donc le roi de bâton, lui... lui, c'est vraiment la personne qui est bonne pour vous, qui est carrée. Donc là, il y a vraiment de... Vous avez vraiment qui est... Enfin, là, vous avez vraiment un homme. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être le début d'une relation avec qui la naissance de cette personne, ou pourquoi pas une réconciliation avec un ex. Mais méfiez-vous, hein, deux, trois, je vais y arriver, des ex. Hein. Parce que on vous disait bien, là, avec Monsieur Grand était là, il y avait une situation pas facile. Mais pour d'autres, il y a une belle rencontre. Là, il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. On a la planète Mercure, donc ça, c'est plutôt génial. Donc, peut-être des nouvelles par écrite. On nous parle de victoire. On a un as de bâton.
Donc là, c'est la réussite, victoire. Vous vous êtes battu. Donc là, l'as de bâton, lui, va nous dire que là, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Vous vous êtes battu. Il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver dans tout domaine. Hein. Et on vous parle de fin des peines. Et là, on a quoi? Un 3 de bâton. Qui, lui, le 3 de bâton, nous parle de communication, de messages. Vous allez recevoir des messages de bonnes nouvelles. On postule que ce soit des bonnes nouvelles vont arriver dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On nous parle d'espérance. Donc ça, c'est génial. Et là, on termine avec le jugement, une arcane majeure. Le jugement, c'est les discussions qui vont s'arranger. On se réconcilie. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, une réconciliation amoureuse, le retour d'un ex. On a la planète Saturne. Donc là, il y a vraiment quelque chose où vous allez devoir vraiment mettre les choses au clair avec cette personne qui pourrait revenir dans votre vie. Mais ça peut être aussi concernant un jugement de décision de justice. Donc là, vous avez la victoire et c'est la fin des peines. Franchement, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Que ce soit Monsieur Béline, enfin tous les jeux. Hein. Tous les jeux, ouais, c'était magnifique. Donc, voili, voilou. J'espère que ce tirage du jour du mardi 8 février 2022 vous aura parlé, je vais y arriver. Et non, ça me fait bizarre parce que je m'entends en écho, en fait. Ça me fait une drôle de voix, je trouve. Ça me fait une drôle, bizarre voix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on se retrouve demain. Donc, je continue les signes astrologiques pour février 2022. Ça, je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai vu les commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je ne sais pas si je vais vous faire la tirage de la guidance de la semaine. Je pense que ça ne sert à rien parce qu'on va être mardi. Donc, là, je vous fais les tirages du jour. Donc, vous allez m'entendre tous les jours. Donc, ça, c'est top. Donc, ne vous inquiétez pas parce que c'est vrai que le téléchargement, c'est très long. Hein. C'est pas comme à Paris, donc on est à la montagne, même si j'ai la wifi, ça a du mal à télécharger, donc mille excuses, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve demain, d'accord? Faites attention, hein, surtout ne pas glisser et tout, faites attention si vous prenez surtout la voiture, hein, roulez prudemment surtout. Je vous aime, je vous kiffe, je vous lâche, je vous adore, et je vous dis à demain, ciao ciao, et prenez bien soin de vous surtout, et je vous aime, à demain, ciao ciao, bye bye.